Hey bonjour à tous, ici Big Bad Hater, j'espère que vous allez tous très très bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour aller réaliser ensemble un petit secret. Souvenez-vous, lors de la BlizzCon 2019, Blizzard nous avait présenté des capes cosmétiques spécifiques à chaque congrégation, avec des skins bien particuliers pour chacune d'entre elles, avec au total 3 skins uniques par congrégation, mais également 4 ricolores par cap, donc au total 12 capes cosmétiques par congrégation. Pour débloquer une grosse partie d'entre elles, il va falloir réaliser différentes activités en jeu, comme par exemple réaliser différents faits, mais également en augmentant son niveau de renom. Et ça va être pareil pour toutes les congrégations. Toutes ces capes se débloqueront au fur et à mesure de l'extension, mais aujourd'hui on va aller en chercher une qui se débloque non pas avec son niveau de renom ou en réalisant un haut fait, mais tout simplement en résolvant une énigme. La cape cosmétique que l'on va voir aujourd'hui ne pourra être récupérée que par les personnages faisant partie de la congrégation des Kyrians, et pour résoudre ce petit secret, direction une nouvelle fois cette magnifique région de Bastion. Une fois dans la zone, vous allez devoir vous rendre au nord de celle-ci et plus précisément aux coordonnées 41-23. Une fois sur place, vous allez pouvoir apercevoir sur le sol une plateforme de transport qu'il va vous falloir emprunter pour vous rendre à l'archive des âges. Si la plateforme n'est pas sur le sol aux coordonnées 41-23, c'est tout simplement peut-être qu'il y a une expédition en cours dans la zone. Réalisez-la et la plateforme devrait apparaître une fois cette fameuse expédition terminée. Une fois arrivé sur la plateforme de l'archive des âges, vous allez devoir emprunter les petits escaliers soit sur votre droite, soit sur votre gauche. Et là, en haut de ces escaliers, vous allez pouvoir apercevoir sur le sol un autre socle, la porte d'Anima. On clique dessus et hop, on est envoyé au sommet de cette fameuse archive des âges. Une fois arrivé tout en haut, vous allez devoir prendre directement sur votre gauche et en avançant un tout petit peu, on va tomber face à face à un énorme coffre au trésor. Comme on peut le voir, ce fameux coffre, le don de Thénios, est verrouillé et on peut voir que en cliquant dessus quand même, pour pouvoir l'ouvrir, nous avons besoin de la preuve de la sagesse. L'objet que nous sommes venus chercher, le cachet d'harmonie de l'archonte, se trouve à l'intérieur. Il va donc nous falloir trouver un moyen pour l'ouvrir. Et vous allez le voir, ça va être relativement simple, il va juste ne pas falloir se tromper. Pour réaliser la preuve de la sagesse, nous allons devoir cliquer dans un ordre bien précis sur différentes cloches, et ces fameux encens sur lesquels on va devoir cliquer dans un ordre bien précis, et bien ils se trouvent sur des plateformes en lévitation tout autour de l'archive des âges. Pour accéder à ces différentes plateformes, vous allez devoir cliquer sur les socles sur le sol qui vont vous promener de plateforme en plateforme pour pouvoir cliquer sur ces encens. Mais l'ordre d'accès à ces plateformes n'est pas le même ordre que celui qu'il va falloir respecter pour réaliser la preuve de la sagesse. Vous l'aurez donc compris, on va donc devoir revenir plusieurs fois sur une même plateforme pour pouvoir cliquer sur ces fameuses cloches, les encens, pour respecter le bon ordre. Dit comme ça, ça peut paraître un petit peu abstrait, mais vous allez voir, ça va très bien se passer, c'est vraiment très très simple. Allez hop, c'est parti, et la première chose à faire va être de cliquer sur le socle juste derrière le coffre qui va vous envoyer sur la première plateforme. Une fois arrivé sur celle-ci, on peut apercevoir cette énorme cloche et en passant notre souris dessus, on peut lire que celle-ci est l'encens de la connaissance. On passe à côté sans interagir avec elle et on clique sur le socle juste derrière cette cloche pour passer à la plateforme suivante. Et c'est là que ça va commencer puisque l'on va arriver sur la plateforme de l'encens de la patience. La preuve de sagesse commence avec cette fameuse cloche. On clique dessus, elle résonne et on peut passer à la suivante. Et justement, la suivante sur laquelle il va falloir cliquer, eh bien c'est celle de la connaissance, celle qui se trouvait sur la plateforme juste avant d'arriver sur celle-ci. Il va donc falloir y retourner, mais on ne peut pas faire marche arrière. Il va donc falloir avancer jusqu'à se retrouver une nouvelle fois sur la plateforme avec l'encens de connaissance. Surtout, ne cliquez pas sur les autres cloches. Une fois que vous êtes revenu sur la plateforme avec la cloche de la connaissance, vous pouvez cliquer dessus. Et on peut passer à la suivante, qui cette fois-ci est l'encens de clairvoyance. On clique une nouvelle fois sur les socles qui vont nous trimballer de plateforme en plateforme jusqu'à arriver devant la cloche, l'encens de la clairvoyance. on clique dessus et là on va pouvoir s'attaquer à la dernière. Mais attention, petite particularité avec la dernière, celle de jugement. Juste après la plateforme de la clairvoyance, vous allez arriver sur la plateforme avec la cloche de jugement. Il ne faut surtout pas cliquer dessus, mais cliquer sur la petite boule d'anima à droite de la cloche qui va vous faire emprunter la voie du jugement. On clique dessus et là on va arriver sous une petite cascade avec juste devant nous l'encens de jugement. On clique dessus, on fait demi-tour, on clique sur le socle au sol juste derrière nous et là on va être renvoyé au sommet de l'archive des âges. On peut voir également qu'un buff est apparu, preuve de sagesse. Vous avez surmonté l'épreuve de la sagesse, ce buff va durer 2 minutes et donc il va falloir se dépêcher pour aller cliquer sur le fameux coffre du début. Mais pas de panique, le socle sur lequel vous venez de cliquer va vous ramener directement devant celui-ci. Une fois devant le coffre, on clique, on l'ouvre et on récupère ce que l'on est venu chercher, le fameux cachet d'harmonie de l'archonte. Félicitations à tous, vous avez résolu l'énigme de la preuve de sagesse. Cette fameuse épreuve de la sagesse n'a plus de secret pour vous et vous allez pouvoir le montrer en vous promenant avec cette nouvelle transmo de cap. Concernant son skin, je la trouve vraiment sympa, ça me fait un petit peu penser à un cadran solaire. C'est sobre, ça reste dans le thème de Bastion. Personnellement, je trouve ça quand même plutôt pas mal stylé. Et en attendant de pouvoir débloquer les autres, eh bien ça fera l'affaire. En résumé, pour montrer votre preuve de sagesse afin d'ouvrir le don de Thénios, vous allez devoir cliquer dans cet ordre sur l'encens de la patience, puis l'encens de la connaissance, ensuite l'encens de clairvoyance, puis l'orbe de jugement qui va vous envoyer devant l'encens de jugement. Vous allez récupérer le buff preuve de sagesse afin de pouvoir ouvrir le coffre et récupérer votre récompense. D'ailleurs, on peut remarquer également qu'en utilisant cette cape en tant que transmo, notre arme dans notre dos disparaît pour laisser place justement à cette transmo ornementale. Au final, ça permet de faire un truc propre sans avoir une arme qui fusionne avec la cape. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de cette cape dans les commentaires. Je le rappelle, cette cape n'est disponible et récupérable que par ceux qui font partie de la congrégation des Kyrians. Je n'ai pas encore monté d'autres persos level 60 avec une autre congrégation et donc pour ce genre de petit secret hors congrégation des Kyrians, il va falloir attendre un petit peu, soyez patient. Enfin bref, on arrive au bout de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me rejoindre sur Twitter, sur Twitch et à partager la vidéo bien sûr. Beaucoup de vidéos sortent en ce moment et vont sortir dans les prochaines semaines, donc n'hésitez pas bien entendu à vous abonner et à cliquer sur la fameuse petite cloche. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à tous vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!